Interféromètre de Michelson configuré en lame d'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce titre un peu bizarre? Eh bien, l'interféromètre de Michelson, nous l'avons vu précédemment, il y a une source primaire étendue d'intensité lumineuse I0, monochromatique de longueur d'onde lambda 0. Nous avons cette séparatrice qui ne laisse passer que 50% de l'intensité lumineuse et qui en réfléchit 50%. C'est une lame semi-réfléchissante. En lame d'air, à ce moment-là, nous avons M1 et M2, M1 perpendiculaire à l'axe OX, M2 perpendiculaire à l'axe OY. Donc les deux, si vous voulez, hein, forment un angle. Entre les deux, il y a un angle de 90 degrés. Voilà ce qu'on appelle lame d'air. On va voir maintenant les différentes images de ce point S correspondant à la source primaire à travers ce dispositif. Pour bien comprendre la suite, il faut faire un petit rappel de première année de PCSI, MPSI, etc. Première année de faculté. Donc, imaginons un point A, le bout de votre nez par exemple, et vous regardez ce point A à travers un miroir. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Traçons deux rayons particuliers. Un perpendiculaire au miroir. L'angle d'incidence avec le miroir étant nul, son angle de réflexion, hein, vous le savez, est égal à l'angle d'incidence, c'est-à-dire 0. Donc, le rayon lumineux va se réfléchir comme ceci. Voici pour le premier rayon lumineux. Second rayon lumineux, imaginons qu'on fasse ici un deuxième rayon lumineux avec un angle d'incidence petit i, eh bien, il sera réfléchi avec un angle petit r, tel que petit r égale petit i. Autrement dit, où se trouve l'image du point A dans ce miroir? Eh bien, c'est une image qui est dite virtuelle. Pourquoi? Les rayons ne partent pas vraiment de ce point A', hein, mais ils partent évidemment de la surface du miroir. Et nous apercevons que A' est quoi? A' est le symétrique de A par rapport au miroir. Cette propriété, nous allons l'étudier et l'utiliser évidemment pour ce système du Michelson configuré en lame d'air. Un premier exercice pour vous. On va considérer un rayon lumineux partant de la source primaire, S, qui va être réfléchi ici par la lame semi-réfléchissante correspondant à la séparatrice, et je vais vous demander où se trouve l'image de S par la séparatrice. Je vais l'appeler S'2. Et quelle va être l'image de S'2 par le miroir M2 que vous noterez S2? À vous de trouver. Bien, on va commencer par S'2. Eh bien, nous avons vu précédemment, cette lame séparatrice étant un miroir, que l'image de S par ce miroir est son symétrique. Donc, il va se retrouver à combien? 1, 2, 3 unités ici. 1, 2, 3. Et voici S'2, image virtuelle de S par cette lame séparatrice. Alors, c'est très simple, hein. On imaginerait tout simplement que le rayon, on peut faire un deuxième rayon si vous voulez, hein, voici un deuxième rayon qui frapperait ici et qui reviendrait comme ceci. On voit bien que l'image de S par cette séparatrice est bien S'2, symétrique de S par rapport à la lame. Deuxième chose, eh bien, voici S'2, image virtuelle qui va devenir un objet pour M2. Où se trouve son image? Eh bien, on l'a vu, hein, son image, c'est son symétrique par rapport au miroir M2. Donc, il y a
Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voici SE2 qui constitue notre première source secondaire qui va interférer et bien avec la seconde source secondaire que on va déterminer maintenant. Bien, pour bien enfoncer le clou, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dessiner, enfin vous allez le faire, vous allez dessiner ici ce qui arrive à ce rayon qui va se réfléchir au point M2 dans un premier temps. Allez, vous jouez. Très simple, l'angle d'incidence vaut 0 degré, c'est l'angle entre la perpendiculaire et le rayon incident, ça, ça fait bien 0 degré. Donc ce rayon-là va se réfléchir, semblant évidemment provenir de S2, et puis il va traverser ici la lame semi-réfléchissante, et voici le premier rayon qui semble issu de S2, source secondaire. On va faire un deuxième rayon maintenant, qui provient de S. Voici ce deuxième rayon. Et je vais vous demander, un rayon quelconque, vous le faites sur votre schéma, hein, et vous me dessinez ce que va devenir ce rayon à travers deux réflexions successives, une première sur la séparatrice, une seconde sur M2. Deux façons de voir les choses. Première chose, on peut dire dans un premier temps que S'2 est l'image de S par la séparatrice, donc tous les rayons semblent provenir de S'2. Il suffit donc de prolonger un rayon qui viendrait de S'2. Et voici la première réflexion. On aurait pu également tracer la perpendiculaire à la séparatrice. L'angle d'incidence de ce rayon est égal à son angle de réflexion. Même chose pour le deuxième rayon réfléchi. Il semble provenir de S2. Source secondaire. Et donc, il nous suffit de faire, et là ça va être un peu plus difficile, on va bien se mettre dans l'axe, voilà, un rayon qui semblerait provenir de S2 et qui va traverser la séparatrice. Voici donc les deux rayons lumineux qui semblent provenir de S2. On aurait pu également faire comment? Eh bien, tracer la, ici la perpendiculaire au miroir et trouver que cet angle d'incidence est là, est égal à cet angle de réflexion, ce qui revient au même. Voici donc deux rayons semblant provenir de S2, image de S par le système optique réalisé par l'interféromètre de Michelson. Nous avons vu dans un premier temps ce rayon issu de S qui va venir frapper la séparatrice, frapper M2 et venir ici, je l'ai appelé le rayon 2 puisqu'il semble provenir de S2. Je vais vous demander maintenant de trouver l'image de S par le miroir M1, donc il s'agit maintenant de ce rayon qui va traverser la séparatrice, frapper M1, frapper à nouveau la séparatrice et revenir ici. Ce rayon-là, je l'appelle R1 et l'autre R2. Ce sont ces deux rayons, R1 et R2, qui vont interférer. Bien. Donc, par M1, l'image, vous l'appellerez S'1. Et ensuite, par la séparatrice, vous appellerez cette image, eh bien, tout simplement, S1. Allez, c'est à vous. Première chose, nous avons vu qu'un rayon issu de S ici va se réfléchir, donc semble provenir de l'image de S qui est le symétrique de S par rapport à M1. Donc si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voici S'1, image de S par le miroir M1. Donc tous les rayons semblent provenir de S'1. Tiens, je peux en tracer un là, allez, hop, c'est cadeau. Voici un deuxième rayon, voilà, tac, qui va venir se réfléchir comme ça. Ça, c'est S'1. Maintenant, attention, S'1, il va se réfléchir sur la séparatrice. Comme il se réfléchit sur la séparatrice,
eh bien, son image S1, ça va être le symétrique de S'1 par rapport à la séparatrice. La séparatrice, je la prolonge artificiellement. Le symétrique de S'1, eh bien, il est à la même distance que ceci. Donc, il va falloir le redessiner par là. Alors, le plus simple pour dessiner son symétrique, c'est quoi? Eh bien, de mesurer le nombre d'unités qu'il y a entre le point de frappe du rayon et puis S'1. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour moi. Vous, vous pourrez prendre évidemment la distance correspondant à votre figure. Eh bien, 11, on va démarrer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et voici S1. Donc, tous les rayons semblent provenir de S1 et tous les rayons semblent provenir de S2. Ce sont tous ces rayons-là qui vont interférer et nous donner de très belles figures d'interférence que nous allons étudier ultérieurement. Alors, évidemment, il faut faire une petite construction graphique pour vraiment à nouveau se fixer les idées. Voilà ce que je vous demande. Imaginons un autre rayon que celui-ci, quelconque. Vous prenez un petit angle θ et je vais vous demander de me dessiner le cheminement de ce rayon lumineux s'il traverse évidemment la séparatrice, qu'il frappe M1 et qu'il frappe à nouveau la séparatrice, qu'il se réfléchisse sur la séparatrice et qu'il vienne participer à la figure d'interférence. À vous de jouer, c'est pas si facile. Première chose, ce rayon lumineux, eh bien, il va traverser la séparatrice et il va venir frapper le miroir. Comment va-t-il se réfléchir? Eh bien, il semble provenir de S'1. Donc, il suffit de prolonger le rayon provenant de S'1 avec une règle, ce sera encore mieux. Et voilà. Oupala, rayon lumineux tordu, ça n'existe pas. Voici ce rayon qui va se réfléchir. Alors évidemment, on aurait pu mieux le dessiner, mais ça reviendra au même en disant que cet angle d'incidence ici va être égal à cet angle de réflexion. Deuxième chose, eh bien, ici, ce rayon lumineux, il semble provenir de quoi? De S1. Donc, il suffirait que je fasse, et là, ça va être encore plus chaud, mais vous, avec votre règle, il n'y aura pas de problème. Vous faites un rayon lumineux qui semble provenir de S1. Et voilà, ce rayon lumineux. Même chose que tout à l'heure, évidemment, l'angle d'incidence ici va se retrouver égal à l'angle de réflexion. Voici un autre rayon lumineux qui semble provenir de S1. Dans la suite de ces exercices sur Michelson, nous ne présenterons jamais le miroir M1 ici dans cette position, mais nous allons dessiner son symétrique par rapport à la lame séparatrice. Donc, par exemple, j'ai mis ici 4 unités de longueur. Son symétrique, eh bien, il serait ici. Et je l'appellerai non plus M1, mais M'1, qui serait l'image de M1 par la séparatrice. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite comme simplification? Eh bien, on va dire tout simplement que ce n'est plus le rayon 2 ici qui frappe la séparatrice, qui frappe le miroir M2 qui revient, et ce rayon qui va traverser la séparatrice, qui tape M1, qui se réfléchit ici, qui vont interférer. Mais quoi? Eh bien, tout simplement, ce seront deux rayons R1 et 2. Le premier R2, ben, ce sera exactement le même qui est dessiné ici en bleu. Mais le second, eh bien, il va se réfléchir sur le miroir M'1, symétrique de M1, par la séparatrice. Je vous laisse faire votre schéma et je vais vous demander quoi? Eh bien, je vais vous demander d'abord où se trouve, dans un premier temps, par cette séparatrice, l'image de S que je vais noter, S', et qui va donner par le miroir M2, eh bien, S2. Et de la même façon, S par cette séparatrice va vous donner S', qui va donner
par le miroir M1, S1. Vous me faites cette construction et vous vérifiez qu'on retrouve à nouveau deux sources secondaires exactement à la même position, S1 et S2. Bien, occupons-nous d'abord de ce point S avec son image S' et qui par M1 donne S1. Bon, S par la séparatrice, son image va être S' symétrique de S par rapport à cette lame. Donc là j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3 et voici S'. On retrouve bien que cette distance-là est la même que celle-ci. Maintenant, S' va donner par M1, S1. Il nous suffit de savoir, alors par M'1, pardon, hein, puisque c'est M'1 et l'image de M1, par cette séparatrice. Donc, S' va nous donner donc par M'1 une image qui va être son symétrique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on reprend 7 unités, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on retrouve ça à la même position que tout à l'heure. Merveilleux. Bien, deuxième rayon lumineux. Quand ça part de S, ça donne S', c'est toujours la même chose hein, par la séparatrice. Et maintenant, M2, eh bien, ce sera quoi? Par M2, S' va nous donner S2 qui est son symétrique par rapport à M2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, pardon, 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on retrouve S2 dans la même position. Donc finalement, que je mette M1 ici, ou que j'étudie son symétrique par rapport à la séparatrice, on retrouvera la même chose, interférence entre deux sources lumineuses, S1 et S2. A noter que si j'appelle cette distance entre ces deux miroirs petit e, je retrouverai une distance entre S1 et S2 qui est égale à 2 fois petit e. Pourquoi maintenant appelle-t-on ce Michelson configuré en lame d'air? Eh bien, c'est comme si je faisais interférer deux faisceaux lumineux qui se réfléchissent en M2, un qui se réfléchisse en M2 et un qui se réfléchisse en M'1. Miroir fictif, évidemment, image de M1 par cette séparatrice. Ici, on se reçoit du miroir, si ce dispositif est placé dans l'air, ce qui est le cas, eh bien, on aurait une lame d'air hein, d'épaisseur petit e. Voici pourquoi on appelle ça l'interféromètre de Michelson configuré en lame d'air. Alors, dernière chose, hein, un petit exercice de construction géométrique qu'il faut absolument savoir faire. Eh bien, dessinez-moi un rayon issu de S qui se réfléchit en M2 et puis issu de S qui se réfléchirait sur M'1. Eh bien, un premier rayon, alors celui qui se réfléchit sur la séparatrice va frapper M2, va revenir, va traverser la lame semi-réfléchissante et voici ici son chemin. L'autre, attention, il va continuer sa route, il va taper M1. Il va revenir ici et puis il va revenir ici. Voilà. Alors, une petite remarque évidemment. En fait, si on dit qu'il viendrait de M'1, hein, eh bien, il faut faire un petit trait en pointillé puisque ce rayon-là semblerait provenir quoi? Eh bien, de S1. D'accord? Donc, tout ce rayon-là qui vient, qui frappe M'1, eh bien, il est en pointillé. A noter que ce rayon parcourait, tout est dans le conditionnel, d'accord, hein, parcourait exactement la même distance de ce point ici à celui-ci que la distance entre ce point et ce point, évidemment.
Bien, résumons ici sur cette excellente animation de l'Université du Mans le cheminement des différents rayons. Donc la source primaire émet un premier rayon qui va rencontrer la séparatrice. Ce rayon va être en partie ici réfléchi sur le miroir M2 et en partie transmis vers le miroir M1. Ce premier rayon en rouge va être réfléchi sur M1, donc il va être réfléchi sur la séparatrice et venir vers une lentille convergente, puis un écran qui nous permettra de voir les interférences produites. L'autre rayon, qui est réfléchi sur la séparatrice, frappe M2, traverse la séparatrice à nouveau et vient ici. Nous remarquons ici que lorsque ces deux miroirs M1 et M2 sont perpendiculaires à cet axe et à cet axe, eh bien nous allons voir une figure d'interférence particulière. À remarquer que le faisceau de lumière qui arrive ici est un faisceau de lumière parallèle, donc les interférences se produiraient à l'infini. Cette lentille convergente va nous permettre d'obtenir la figure d'interférence dans le plan focal image de cette lentille. Quelle est l'allure des franges d'interférence maintenant? Eh bien, l'image de ces interférences a cette forme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'anneaux lumineux séparés par des distances variables comme nous voyons ici. À noter que nous pouvons obtenir des franges d'interférence que si la distance entre OM1 et OM2, ces deux distances-là sont différentes. Elles sont espacées d'une distance qu'on appelle la distance petit e. En faisant varier cette distance petit e, eh bien, la figure d'interférence change. Nous verrons plus tard, la théorie pour expliquer la forme de ces anneaux.